se retrouve pour POT sur Dragon Quest XI, les combattants de la DC sur PlayStation 4, et nous allons continuer notre aventure. Scar est rentré chez lui après avoir fait ses preuves durant la cérémonie qui s'est déroulée au sommet du piton de combattant. C'est alors que sa mère Ambre lui révèle qu'il est la réincarnation de l'éclairée légendaire. Ayant appris qu'il devait partir de chez lui pour aller à la rencontre de son destin, il ne parvient pas à trouver le sommet. Il part se promener au clair de lune et trouve Gemma sur une vieille herbe située au centre du village. Elle lui raconte l'histoire de l'étoile baptisée l'astre herbe de lune, d'après le nom de l'éclairé légendaire. Il entre ensuite chez lui, où il sombre enfin dans un sommeil agité. Nous avons terminé de faire le shopping. La séduction et la confusion peuvent laisser leur cible fort perplexe. Mais il suffit parfois d'une attaque rapide portée. Il n'est pas étonnant. Quelle joie de te revoir, Scam. J'espère que tu t'es bien reposé. Puis, seul l'effort bienveillant protéger ce pauvre enfant. Donc, on avait sauvegardé. Et on va sortir. Et il fallait que j'aille à la sortie du village. Direction Héliodore. Alors, le jour est venu, mon petit soldat va vraiment partir. Tu risques de ne pas revenir avant quelque temps. J'espère que tu as dit au revoir à tout le monde. Alors, tu es prêt? Oui. Eh bien, je te laisse partir. En fait, je crois que j'ai pas dit au revoir à tout le monde. One day you're just a little boy. The next you're getting ready to leave us. I only wish your grandfather could see what a fine young man you've become. To think, it's been so many years already since old Chalky found you floating in... I mean, since he brought you to Cobblestone. We never thought there was anything out of the ordinary about you. And now suddenly there's all this talk of luminaries of all things. You know who the Luminary was, of course. A legendary hero who saved the world from a terrible darkness. And we're supposed to believe that you're him reincarnated? I don't doubt old Chalky, of course, but it is a little hard to swallow, I must say. Oh, when you meet the King of Heliodore, put in a good word for old Cobblestone, won't you, eh? If he finds out this is the village where the Luminary was raised, there might be something in it for us, if you catch my drift. Oh, you are terrible. Trust you to be thinking about what you can get out of it. Oh, no, I'm only joking, of course. The very thought. Anyway, where was I? Ah, yes. Now, the fate that awaits you may well be one beyond anything we simple country folk can imagine. But you must allow us to offer what little assistance we can. D'accord. Take this map of Erdria with you. May it prove useful in finding your way. La carte d'Elria. Je marche là. And may this magnificent steed, the pride of Cobblestone, lighten your burden and speed you on your way. You'll find Heliodore easily enough. Just head north out of the village and follow your nose. You travel safely now. Oh, you're such a good boy, such a good boy. You make us proud out there, won't you? And come back safe. Je reviendrai, t'inquiète pas. Gemma.
Here, take this with you. I made it for you. D'accord, tu veux. Qu'est-ce que tu dois mettre? Talisman de gemme. It'll keep you safe. I heard there are lots of monsters where you're going. Je peux pas mes chiens avec moi. Be sure to keep it close. S'il te plaît, je... Oh, I don't know what's in store for you out there. But wherever you go and whoever you meet, don't... Take care and remember, we'll be waiting for you. D'accord. Donc, il faut que j'aille vers le nord. L'attaque indique la quantité de dégâts que vous infligez à chaque attaque physique. Celle de défense amène les dégâts reçus au cas. T'as jamais le temps de lire! Les chevaux sont un moyen fort pratique de parcourir de grandes distances en très peu de temps. Mais certaines zones ne sont. Ne peuvent être explorées qu'à pied. Cependant, ne vous en faites pas. Il suffit de personner l'une des nombreuses cloches disséminées partout sur les rats pour que Fidel distraire vienne au galop. Voilà, mais on a besoin de t'expliquer deux ou trois choses à propos des chevaux et des cartes aussi. Tu vois cette cloche là-là? Eh bien, si tu la fais sonner, un magnifique étalon sorti de nulle part galopera jusqu'à toi. C'est toujours bon à savoir si tu as mal aux pieds. Et si en plus d'être fatigué, tu es perdu, rien n'est plus facile. Il te suffit d'appuyer sur le carré et jeter un œil à la carte si tu veux encore plus d'informations. Appuie sur 3. Je suis sûre que tout est écrit dans ta liste d'aventures de voyageurs, là dans ta besace. Je ne saurais trop te conseiller de les consulter sur là. M'a dit vers le nord. Je sais pas si ça rapporte des trucs. What have we here? I know a budding adventurer when I see one. It can be risky heading into the great outdoors if you aren't familiar with the basics of survival. See the remains of that fire over there? Well, when you spy one of those, it means you can set up camp and rest your weary bones. To settle down for the night, just go up to the fire and examine it. You... What's that? You're worried about being attacked by monsters while you sleep? Oh, that statue over there is chock full of holy powers that'll keep the beasties at bay for as long as you need. That's pretty cool. And that's not all. You can pray to it to be cured of poison and all kinds of donc, other things. Think of it as a mini church. Anyway, enough of my yammering. Why don't you take a closer look at all this camping kit for yourself?
You'll need to get used to what campsites look like and how to find them. After all, you'll be relying on them whenever you're out in the wilderness. It's like my old dad always said, keen campers can continue on where others can't. Be prepared. Well, that's all from me. If you have any camping-related queries, feel free to ask. I'm here all the time. I wouldn't want to be anywhere else. Yeah. Je sais pas trop. Il va étrange, raisonnement. Toutes les brebis garées sont bienvenues dans cette maison. Que puis-je faire pour toi? D'accord. Je peux rester tes aventures dans un journal. Consultation du jour, mais pas santé. Oui. 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 Mais je pense que je vais faire autrement. Donc, je vais retourner au point de départ. Et y aller à pied. Je pense qu'un peu d'entraînement ne ferait pas de mal. Là je peux pas descendre. Même si je peux descendre du cheval. Même pas. Ah non, il est toujours là. T'as pas, je vais passer par là, les monstres risquent de te réveiller par là. Si tu vas aller à l'éditeur, tu vas de toute façon te réveiller par le nord. Ah non, je peux le battre. Ok, non, non, c'est bon. Une bonne boule, quoi, il est aussi là. Ça a toujours tapé le dos. Faut se calmer la petite souris là. Vampivonne. Il m'a pas vu, tant mieux. Ah, l'autre avec son fil et son mobile, il y a peut-être un petit peu plus de temps. Et je suis niveau 4. J'ai cru qu'il y avait un slime. Allez. Un gluant. J'ai zappé un slime.
Je sais pas si c'est vachement rentable en fait de récupérer le chien. Je me demande si on passe pas à côté de point XP. Un cougombrageur. Non, pour le moment, je pense que ça peut être... Ah, il m'a vu. Espoir. Mais bah non. Wow, le coup critique. Il a plus sur 3. Oh, c'est quoi ce lapin de cause? Je vais prendre un crit et c'est bon, je suis mort. La baisse, c'est qu'on peut vraiment contrôler la caméra, c'est génial. Mais j'ai pas commencé à taper dessus. Bon bah je t'ai tapé dessus. Une petite herbe médicinale, je pense que je
À la carte. Oh, mais j'étais trois. Super Saiyan. Alors, si un personnage est la cible d'attaque répétée ou subit certaines épreuves, il n'est pas à devenir hypertonique, un état d'effervescence qui décuple sa puissance chromatique tant qu'il dure. Mais rien n'est terminé. Au bout de quelques tours, le personnage perdra son moral ou trouvera son état normal. Toutefois, les personnages qui sont hypertoniques lorsqu'un combat prend fin le seront encore au début de l'affrontement suivant. Donc je me suis passé du mode normal à Super Saiyan. Donc je pense que c'est une strat d'être Super Saiyajin avant un combat de boss. On a une jauge. J'ai pas vu de jauge. Qui montre que je suis super saiyajin. Est-ce que ça a vraiment me régène ma vie? Je pense que oui. Allez, go, on y va. Il y avait un lapin. J'ai eu une chance. Il va se calmer de la pignon. Niveau 5. Premier secours. Ça, c'est intéressant. Chaque fois qu'un membre de l'équipe passe au niveau supérieur, il reçoit un certain nombre de points de compétences. Comme leur nom l'indique, ils servent à apprendre de nouveaux sorts et de nouvelles aptitudes. Vous pouvez utiliser ouais, l'hexagramme depuis le menu d'hiver. Oui, on va voir. Alors, c'est à partir de l'hexagramme que vous pouvez utiliser vos points de compétences pour apprendre de nouveaux sorts et aptitudes aux membres de l'équipe. Et aussi améliorer leurs caractéristiques. Une fois une case spécifique déverrouillée, les cases adjacentes deviennent disponibles, vous offrant ainsi de nombreuses possibilités supplémentaires. Choisissez judicieusement les cases à déverrouiller et à quel moment afin de progresser jusqu'aux aptitudes ultimes. Ouais, voilà, moi j'ai 3 points. Donc l'éclairer, ok. Alors, chance de devenir hypertonique, foutre et zap. Ok. Agilité, protection sacrée, adresse, force. Pita, ok. Épée. Feu, donc là j'ai eu l'âme de feu. Ah non, je l'ai pas encore. Épée, puissance d'attaque épée. Mais tout a l'air d'être sauf éclairé. En garde double. Chance, épée longue. Épée longue. Et là, on met en maîtrise de l'épée.
Ben non. Attendez. On sait pas. Tête de faucon. Chien taille. JK Smash. Force plus 5. Imposteur par bloqué pareil. Chance TP. Ok, en fait, en gros, c'est une sorte de sphérier. Hashtag. Hashtag. Je sais pas trop quoi. Pardon, oh, on dirait des adiposes. Bonjour. Je trouve aucun mal les adiposes. Je sais pas s'il faut que j'aille par là. Premier secours. Ah oui. Ok. Intéressant ça. Ramasser les pièges perdus des lumières par terre. Je mets des couronnes. Lui a piqué le point de Shakespeare. Corps barbac. Ouais, les super lapins aussi, ils passent un super saiyajin. Pardon, je te pousse. Hein. Lapinou, Lapicone. Et oui, petit monstre. Alors, on va aller au château Cotonbrod. Donc, il faut aller au château. Donc, à gauche. Ça fuit, ça lâche. Mais je sais pas encore comment on va faire de l'orientation. C'est qui ça, ouais? Est-ce que rapidement on va avoir un ou une heureuse. Même, aucun rapport. Lui, ça va être un DPS.
Bon, tu me laisses les prendre tranquille. Ah, il m'a laissé encore. Ah. Bon, trop aussi. Ah, c'est instant. Ça, c'est cool. C'est plutôt cool. Voilà, bon. Tu sais, on va avoir lancé 30 attaques plantées sur les ennemis. Wouhou! Mais pourquoi elle a pas voulu faire attaque? Oh purée! Pardon, il voulait pas que je le fasse. Ah voilà, bouge pas. Vous allez vous calmer tous les deux là. Non, là je suis en train de me dire en fait finalement que j'avais raison de... Je pense que ça peut être un bien de notre famille. Même si le château est loin. Une vasque. Oh, non, j'ai cru que c'était chromatique. Non, 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 c'est pas chromatique. Oui, vas-y, maintenant. Bon, triche lunaire. Je sais pas si ça sert à ça, ça sert à quelque chose. Bon. La picorne. Super Saiyajin Scamming. Pauvre Korbac, ils vont se faire exploser. Je pense à Muil. Ah, il y a de nouveaux monstres. Il y a des malvins. Un hypnobule, il va bien m'endormir. Ça va entre un smile. Je sais pas quoi. Ah! Un marteleur. Un slime et un chlorobule. Ah,
Aïe, aïe. Faut que je fasse gaffe. Niveau 6. Deux points de compétence. Non. Bonjour. Je crois que je vais le regretter. L'Artitox se réveille. Ah non, mais il m'a juste collé une patate à 7, mais c'est tout. Voilà les Tibet, Carson. Je tue tout ce que je trouve, dis pas rien, c'est bien la vie. Ça lâche, reviens. J'étais loin là. Pire, ça me m'avantage. C'était un avantage. C'est pas très loin. C'était l'avantage. Mais vas-y, je te mets une patate, tu t'en vas. Mais reviens. S'amuser bien, gamin. Si ça n'est pas avoir d'accrocher le talon, au moins ça peut combat. Mais en fait... Ah oui, il fait du 7. Il fait du 7 en dégâts. Est-ce que ça a eu en conséquence? C'était 25 tout à l'heure. Hein?
Bienvenue ce chemin. On verra ça plus tard. On sera peut-être par là. Le panneau, le petit peu monstre, oh purée. Mais il y a le panneau. Tadam. Château, donc c'est bon. Aïe. Les objets dans les creux des roses modifient l'apparence de ceux qui les portent. N'oubliez pas que certains forment un ensemble et qu'il vous faut tous les mots de composants pour changer l'apparence. Vous avez bien les détails d'un objet. Ok, bon bah. Ça... Bonjour. Tu ne t'es jamais vu dans le coin. On te dit que tu es venu voir le roi. Eh bien, ce n'est pas ici que tu te trouveras. Tu feras mieux d'aller au château. Suis cette route, monte les escaliers, continue, tu y seras. Mais n'oublie pas qu'il ferme les portes dès que la nuit tombe. Le roi aussi a besoin de dormir. Tu sais, si tu veux obtenir l'endurance, mieux vaut t'y prendre petit matin. Bienvenue à la banque au trésor de l'arc-en-ciel du Béni sur l'argent que tu as gagné sur le coffre. Notre unité de compte est de milliers de pièces d'or, aussi bien pour les dépôts que pour les rentrées. Bien entendu, le service est totalement gratuit. Un peu plus cher pour toi. Non, rien. Une autre page, mais j'en présume que tu passes la nuit ici. Je me sers vraiment de te reposer un moment. Non. C'est gentil. Ah, une quête. Ouais, il est coincé sur toi, il ne peut pas descendre. Ouais, au secours, Charles est coincé sur toi, vous voulez m'aider. Si tu veux, je vais m'aider à aller secourir Charles.
Merci beaucoup. Scan ce paquet, Charles est dans le pétrin. Charles est sur le pion, entendu. Pas monté. Bon. Je pensais, non. Elle adore vendre des trucs. Si tu as besoin, je les prends en stock. Ne pars pas sans ta réserve de tout nécessaire pour l'aventure. Le magasin d'objets acheté. Ça, j'en ai déjà quelques-unes. Ah oui, dans l'esprit tout seul, en fait, j'ai pas besoin de le cacher, l'esprit tout seul. Ok. Voilà. Ah, je me posais juste. Ah, je peux plus casser la jarre. J'ai cette pièce d'or. Alors. On a 10 pouces. 5 épées blancs, moi ça me donne. Mais c'est bon. Comme ça, tu es un voyageur. Je ne sais pas d'où tu viens, mais on ne rentre pas chez les gens comme les animaux par ici. Eh, c'est vous qui me fait la tête qui fait. Je pense que je vais déranger. Armurier, bonjour. Personne ne vend d'armes plus tranchantes que les deux. Mon pote, tu peux te regarder mais évite de toucher. Oui, vas-y, fais voir. Épée longue. Ah, ça va me changer. Épée longue, grésion, pique et de tenir à deux mains. Ok. Ouais. Donc je l'ai déjà le foulard. Tu vois, je l'ai déjà.
calcul sur 80. Donc, si admettons j'achète tout. Voilà. Ensuite. Si je fais calculer ça. Et je crois que j'ai pas assez. Oh, je non, je vois un truc. Il faudrait que j'arrive à trouver. En faisant le tour de tout ça, j'aurais peut-être trouvé, j'aurais peut-être assez. En faisant le tour du château, du village, tout ça, j'aurais peut-être trouvé assez. Que 3 pièces d'or. Il n'y a que 3 pièces d'or. Il y a un mur, on peut pas descendre par au-dessus des remparts. Et pourtant, on peut sauter du toit. Bon. Nouvelle vie, j'ai jamais vu tous qui peuvent acheter, si vous trouvez l'électricité, passez vous voir. Côté caméra, c'est tout juste à côté de la fontaine. Oui, bah. Pas forcément non plus. Hein. Allez là-bas. Soldat et stratégiste de 2-0, c'est comme le grand comme stratégiste. Il s'agit visiblement d'une biographie détaillée des deux grands chevaliers qui protègent leur établir. Ok, donc là j'ai une petite. Oula, ça va pas être content.
menaces, toutes sortes de surprises attendent les braves voyageurs désireux de sortir des sentiers battus pour explorer les endroits reculés. Prends le temps d'explorer les moindres recoins que tu aperçois, tu me remercieras plus tard pour ce que c'est. Je le fais déjà, mais peut-être pas assez. Oui, il manquait plus de 4 pièces. D'accès si tu voulais bien tourner avec. Oui, ok, je m'en vais. Je vais aller à l'armure. Oui, on y avait déjà. Oui, bah je vais aller te chercher ton poupée. Il fallait que je m'achète tous les poupées. J'avais pas fait gaffe. Oh, bah si, je suis ok. Je vais pas lutter contre. Alors, je veux une confession. Oui. Non. Donc, je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé cette VOD sur Dragon Quest. Je vous fais des hiboux parce que vous êtes chouettes. Quant à moi, je vais aller me débarrasser de mon hockey. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut tout le monde.